Et salut tout le monde et bienvenue sur cette vidéo consacrée au jeu de plateau AVP The Hunt Begins, produit chez Prodos Games. Donc ce jeu vous propose d'incarner une des trois factions au choix, les Marines coloniaux, les Aliens ou les Predators, qui vont aller s'affronter à bord d'un vaisseau spatial en perdition, l'USCSS Theseus. Donc, pour la petite histoire, donc une ruche d'un alien s'est implantée dans les coursives du vaisseau spatial, a proliféré et mis son bordel. Les Marines coloniaux donc sont appelés en urgence pour intervenir et redresser la situation, tandis que nos prédateurs qui passaient dans le secteur donc ont capté des signaux et ont décidé d'embarquer à bord du même vaisseau pour y déclencher une partie de chasse. Donc le jeu va pouvoir se jouer de 1 à 3 joueurs. Alors 1, pourquoi? Puisque le livre de base, le livre de règles fourni dans la boîte, voilà, le beau livre que voilà en petit format, vous propose différents scénarios qui vont pouvoir être joués donc en différents modes de jeu. Le premier mode pour un joueur, voire même en coopération, sera The Last Stand. Donc un joueur, puisqu'en fait vous allez affronter une horde d'aliens donc dirigée par une forme d'intelligence artificielle générée donc par les règles, hein, et en coopération, puisque vous pouvez très bien jouer avec un autre ami pour affronter cette horde. Alors vous n'êtes pas obligé uniquement dans ce mode de jeu de jouer qu'une seule faction, vous pouvez faire un mix des deux. Alors il faudra juste adapter le nombre de cartes stratégiques que vous allez pouvoir utiliser. Ensuite, le deuxième mode de règles proposé, ben, c'est les règles de base. Ce sont ces règles-là que vous allez surtout utiliser pour jouer de 1 à, enfin, avec vos camarades de jeu. Donc, trois joueurs qui vont s'opposer, hein, à bord du bâtiment. Et enfin, vous avez les règles avancées. Alors, les règles avancées, en fait, c'est ni plus ni moins un système avec budget qui vous est alloué et qui va vous permettre d'acheter deux nouvelles extensions pour augmenter vos forces et donc, on va dire, renforcer la difficulté des missions proposées. Alors, les missions sont au nombre de 10 et peuvent être jouées séparément ou dans un ensemble en mode campagne. Et pour ceux qui ne seraient pas fans du jeu de plateau, sachez que sur le site de chez Prodos Games, vous pouvez télécharger donc des règles de jeu qui s'intitulent AVP Unleashed, qui va vous permettre carrément de jouer en règles de jeu de. Enfin, en jeu de figurines pur. Voilà pour la présentation, on va dire, globale. Alors, pour les tuiles et les figurines qui sont proposées dans la boîte, pour ceux qui ont la première version ou la deuxième version, ils vont certainement s'en rendre compte. Donc là, ce que vous voyez, ce sont les tuiles de la seconde édition. Tuiles qui sont imprimées que sur une seule face et qui ont été retravaillées sur un plan esthétique. Pour les figurines, j'utilise celles de la première version. D'accord? Alors, c'est quoi la différence entre les figurines de la première version et de la seconde édition? C'est que celles-ci, en fait, sont en résine, il fallait les assembler, donc c'était pas évident pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire des jeux de figurines, hein, surtout sur plateau. Et alors que la deuxième édition propose des figurines monobloc en plastique, donc beaucoup plus résistants, hein, moins cassants, et sur des socles texturés. Ça, c'était quand même une très bonne idée, je trouvais. Alors, petite comparaison, j'en profite pour ceux qui se demandaient à quoi ressemblent les tuiles, hop, de la première édition. Alors moi, personnellement, j'aimais bien, parce que je trouvais qu'au niveau des couleurs, c'était assez sympatoche, et puis on pouvait varier, vous voyez, les effets, l'ambiance, quoi. Voilà, bon là c'est plus le cas. Alors les gens en fait, enfin les gens, ceux que ça a chagriné, enfin surtout ceux j'imagine qui ont pledgé et qui ont eu beaucoup de mal à obtenir leur pledge, vous voyez, je sais pas si vous voyez bien sur celle-là, hop, je descends, voilà, donc vous voyez, il y a une caisse, c'est pas très raccord en fait. Effectivement, quand vous assemblez les tuiles, ben, du coup, la tuile qui venait se raccorder derrière, hein, ça se trouve, il n'y avait pas de caisse. Alors ça faisait trop bizarre d'avoir une moitié de caisse qui se baladait, quoi. Alors petit tour du proprio vite fait, hein, en vue aérienne. Alors là, en fait, nous avons la faction des Predators. Alors, petite différence aussi notable avec la première édition, c'est que ces Predators-là, normalement, hop, on les joue à 3. Sauf que dans la version 2, on ne les joue plus qu'à 2. Parce qu'effectivement, les Predators, c'était la faction, c'était les plus forts, hein. C'était clairement les tauliers de l'espace. Dès qu'ils débarquaient dans un couloir, tout le monde commençait à claquer du fessier. Donc, avec les Predators, vous aurez des jetons, donc signaux. Puisque c'est un Space Hulk, hein, donc au début de la partie, tout le monde va un peu se déplacer à couvert.
Voilà. Ensuite, vous avez des pions objectifs. Bon, ça vous met tout de suite dans l'ambiance. Hein. Et vous avez des pions blessures. Alors ça, c'est propre à la faction des prédateurs, puisqu'ils sont moins nombreux, ils ont moins d'activation, hein, évidemment, mais ils sont bon, surarmés et plutôt résistants. Ensuite, vous aurez la faction des marines coloniaux, que voilà, tac-tac. Pareil, hein, donc jetons signaux, donc vous aurez des pions objectifs, également, des jetons objectifs, pardon. Voilà. Les cartes profil, j'en ai pas parlé. Donc les marines sont 5, hein, parce que j'en ai un qui se balade déjà sur un plateau, là, il a pris de l'avance. Donc les marines sont au nombre de 5, 5 cartes profil. Donc évidemment, bah, comme c'est un squad, hein, chacun aura sa propre spécialité. Donc vous avez celui qui a le lance-flamme, qui fait également office de médic dans le squad. Vous avez le smart gunner, donc le mitrailleur lourd, deux fusiliers, armés de pulse rifle et lance-grenade. Et vous avez le motion tracker, donc celui qui permet d'aller chercher dans le coin les signaux et qui met du stress à tout le monde. Voilà. Donc carte profil hein, des prédateurs, il y en a 3, même si vous jouez qu'avec 2. Donc en fait, en début de mission, vous allez sélectionner les prédateurs avec lesquels vous souhaitez jouer. Et enfin, la faction des aliens. Alors, ils sont au nombre de 15 dans la boîte, hein, ça suffit largement, on va dire, déjà pour commencer. Alors, vous avez 10 Infant Warriors et vous avez 5 Stalkers. Évidemment, hein, chaque figurine a sa carte profil. Ah, alors là, en fait, vous n'en aurez que deux. Hein, et se présente comme ceci. Voilà. Et elles ont leurs propres compétences. Mais ça, on reviendra dessus plus en détail. Et enfin, qu'est-ce que vous allez avoir dans le jeu? Vous aurez donc des decks de cartes. Alors, hop, je pivote. Vous avez donc un deck de cartes environnement, puisque ben, le vaisseau est en perdition, donc il y a des événements aléatoires qui se déclenchent, et donc ben, parfois on peut avoir de mauvaises surprises. Alors, il faut savoir que ça peut affecter tout ou partie des factions, voire aucune des factions. Parfois c'est complètement anodin, c'est anecdotique, et parfois c'est très embêtant. Ben, prenons celle-ci par exemple. Arme enrayée, avant de réaliser un test d'attaque à distance, lancez un dé de 20 sur un résultat allant de 1 à 5, l'action est perdue. Donc vous voyez clairement là, ça va désavantager les Marines coloniaux, éventuellement les Predators, parce que les Predators sont très forts, que ce soit au corps à corps et aux armes à distance, mais ça ne va pas du tout affecter la faction des aliens qui, dans cette boîte de jeu, ne dispose d'aucune arme d'attaque à distance. Il y a des aliens, hein. Les aliens Warrior, qui font partie des extensions, qui sont capables de lancer un jet d'acide molécule sur une tuile adjacente. Et enfin, vous aurez les decks de cartes stratégie. Chaque faction a son propre deck de cartes, et donc ben, ça va pouvoir vous donner des avantages tactiques sur vos adversaires. Voilà, c'est histoire de bien leur pourrir la vie et vous faire pourrir la vôtre. Bref. Donc voilà, rapide tour du propriétaire. Alors, ce que je vous propose dans la foulée, c'est de regarder plus en détail donc une carte profil, hein, pour voir un peu ce qu'elle nous propose. On va pas toutes les regarder, parce que sinon on en a pour une plombe. Me revoilà avec un nouveau changement de plan. Donc, nous avons évoqué les cartes profil, les cartes environnementales et les cartes de stratégie de chaque faction. Donc, si nous reprenons dans l'ordre les cartes profil, donc je vais prendre celle d'un Marine colonial Pulse Rifle. Donc, que voici. Voilà. Donc, ça reste des cartes assez simples, hein, recto verso. Voilà. Au dos, vous aurez les compétences spéciales de chaque figurine. Alors, il y a les compétences, donc j'en parle tout de suite, hein, les compétences passives là et les compétences actives. Alors, compétences passives, donc ici c'est Team Tactics, hein, tactique d'équipe. Donc, c'est une compétence qui est permanente en fait, hein, il n'y a pas de points d'action à dépenser pour pouvoir l'activer. Alors qu'à l'inverse, celle qui est en dessous, qui est donc le Grenade Launcher, donc le lance-grenade, là c'est une compétence active. Donc, il va falloir dépenser des points d'action pour pouvoir donc exécuter cette action. Alors, par exemple, l'équipe tactique. C'est simple en fait, en début de partie, comme je vous l'ai expliqué, donc chaque faction va se déplacer avec ses propres jetons signaux, voilà. Et donc cette compétence est propre, donc équipe tactique, à la faction des Marines coloniaux, puisque au moment où il va devoir se révéler, donc de manière volontaire, ou parce qu'il va rentrer en ligne de vue
donc d'un de ses adversaires, il va pouvoir choisir de révéler la figurine de son choix qui n'a pas encore été révélée. Donc ça peut permettre de justement de donner un petit avantage. Si par exemple bah, vous tombez sur un groupe assez important, sur une même tuile d'aliens, hein, comme exemple, bah, vous avez tout intérêt par exemple à dévoiler à ce moment-là votre lance-flamme qui bah, aura des chances de faire un gros carnage en fait. Voilà. Et puis pour la deuxième compétence qui est juste en dessous, donc qui est active, là c'est le lance-grenade, donc c'est propre, hein, toujours à la faction des Marines coloniaux. Là, il faudra dépenser quand même 2 points d'action pour pouvoir l'utiliser. Alors, l'avantage, c'est que si vous touchez avec votre grenade, vous allez infliger 2 blessures au lieu d'une. Alors ensuite, donc les compétences, celles qui sont le plus utilisées. Alors j'essaie de bien orienter ma carte pour éviter qu'il y ait trop de reflets. Donc là, par exemple, en haut, c'est le mouvement, d'accord? Donc c'est un spéculque, hein, vous attendez pas à rusher comme des gros malades hein, à travers les coursifs du vaisseau. Ça sera une tuile. Donc une tuile lorsque vous vous déplacez normalement pour 1 point d'action. Si vous décidez de courir, vous allez pouvoir vous déplacer d'une deuxième tuile additionnelle. Voilà. Et fin de vos actions. 2 points d'action. Donc c'est vite joué. Chez les aliens, c'est les stalkers, il me semble, ils peuvent se déplacer d'une tuile supplémentaire. Ils se déplacent beaucoup plus vite. Hein. Ensuite, vous avez la compétence de corps à corps, la compétence donc RS qui est range de skill, compétence de tir à distance. Vous avez strength et la force, la constitution, le leader, le wound qui est la blessure et l'armure. Alors, toutes ces compétences ne seront pas utilisées avec les règles de base. Hein. Surtout, enfin, leader, force, constitution, ouais, ça peut arriver, des cartes stratégie. En fonction de certains événements, on peut vous obliger à faire un test avec cette aptitude, mais le leader et la force, pour l'instant, moi, je ne l'ai pas vu jouer. Hein. Donc, vous allez surtout utiliser le mouvement, combat au corps à corps, combat de tir à distance, votre test d'armure, quoi. Et la blessure, moi, une. Hein. Alors, il y a des chiffres. Hein. Donc, mouvement, évidemment, vous n'allez pas vous dépasser de 20 tuiles, mais lorsqu'on voit le combat au corps à corps, distance, constitution, tout ça, etc., ça va de 1 à 20. Alors, plus le chiffre est élevé, plus soit vous êtes au summum de l'évolution, ou soit vous êtes à la pointe de la technologie. Hein. Donc, plus ce chiffre est élevé, mieux c'est pour vous. Donc, si on revoit par exemple l'armure, hein, là c'est très important pour nos Marines, hein, hop, elle est de 13. Voilà. Bref, ensuite là, vous avez son armement principal. Alors, vous aurez quoi? Vous avez des différents symboles. Alors, souvent, hein, ces symboles comme ceci, c'est symboles de tir à distance, d'attaque à distance, et ça, c'est de corps à corps. Alors, les Marines Pulse Rifles sont équipés d'un Pulse Rifles. Ils sont équipés du lance-grenade et ils ont un poignard pour pouvoir se battre au corps à corps. D'accord. Voilà. Alors, chaque arme a une force. Strength. Tac, tac, tac. Donc, cette force-là, la force, l'impact en fait que votre arme a, va avoir des conséquences sur le test d'armure de votre ennemi si vous le touchez. Alors, pour toucher, je vous en parle tout de suite, on va prendre ce magnifique dé bleu, hein, donc assigné aux Colonial Marines. Donc, on voit par exemple, j'effectue un tir à distance qui est de 14, donc il faudra que je fasse de 1 à 14, 1 étant une réussite critique, hein, pour pouvoir toucher mon adversaire. Je lance mon dé, je fais un 10. Là, ça passe largement, donc je touche mon adversaire. Donc, on regarde la force de mon arme qui est de 12. Donc, par exemple, disons que ben voilà, j'ai mon hop, mon Colonial Marines qui a ouvert le feu sur l'alien qui est ici. Ce dernier va devoir réagir en faisant un test d'armure. Alors, si on prend la carte profil, c'est un Alien Infant of Arior. Tac, voici sa carte. Et si on regarde son armure, elle est de 15. Voilà, c'est, vous voyez, c'est quand même costaud. Ils encaissent plutôt bien. Donc, la force de mon arme étant de 2. On va dédire 2 points de son armure, donc elle tombe à 13, elle descend en fait, elle diminue. Donc là, je vais lancer un magnifique dé vert alien pour son test d'armure, et il faudra que j'obtienne un 1 à 13 pour annuler sa touche. Hop, je lance le dé, ben là je fais un 19, c'est une cata. Donc je n'ai pas mon armure naturelle, mon exosquelette en fait n'a pas réussi à freiner l'impact de la balle qui m'a touché. Voilà. Donc c'est comme ça que ça fonctionne, hein, tous les tests, que ce soit un test de corps à corps, voilà. Vous lancez un des 20 et il faudra obtenir le chiffre adéquat. Alors évidemment, il y aura aussi les cartes tactiques,
les cartes environnementales qui peuvent influencer les tests, les dés, enfin les résultats que vous devez obtenir. Donc ça concerne les cartes profil. Bon, puisqu'on y est, puisqu'on était sur un enfant de Varior, hein, un alien, hein, donc voilà, si on regarde sa carte profil, hein, vous voyez, sauf que, ben, comme je disais, il ne dispose pas d'attaque à distance, hein, c'est que des attaques au corps à corps, voilà. Et eux, par contre, si on regarde, bon, ils ont le sang acide, hein, ça je vous en parlais tout à l'heure. Donc là, par exemple, comme il a été touché, je devrais lancer, donc avant de retirer ma figurine, je devrais lancer un autre dé de 20. Voilà, je fais un 7. Alors sur un résultat de 1 à 6, je génère un jeton acide. Voilà, et je peux blesser potentiellement donc un adversaire se trouvant sur la même tuile. Là, c'est pas le cas. Donc il n'y aura pas de jeton acide. Okay. Alors pourquoi on met des jetons acides sur les tuiles? Parce qu'en fait, ben, il cause des dégâts structurels, hein, et il faut savoir que chaque tuile dispose de points d'occupation. Alors ici, les tuiles classiques, hein, comme les couloirs, les intersections, disposent de 8 points d'occupation, et chaque figurine, en fait, représente un point d'occupation. Donc je pourrais mettre 8 aliens, si je le souhaitais. Ou alors, ben, 2 marines, 4 aliens, voilà, bon, bref, toute une combinaison possible. Au-delà, la tuile est pleinement occupée, donc je ne pourrais pas rajouter des figurines supplémentaires. A l'inverse, si on va dans les grandes salles, alors attention, je me déplace, comme celle-ci là, vous voyez, celle-ci a 12 points d'occupation. Voilà. Et par contre, il y a des tuiles qui sont beaucoup plus petites. Alors sur cette première mission, parce que là en fait, hein, je vous montre un ensemble, je me surélève. On a du 90 par 90, hein, c'est la map de la première mission du livre de règles. Voilà, tout je redescends. Vous pourrez avoir des tuiles qui sont beaucoup plus petites. Hein. Souvent, ben, c'est des cul-de-sac. Là, c'est 4 points d'occupation, en fait. Hein. Voilà. Donc, c'est important parce que une fois qu'une tuile, une tuile est pleinement engagée, ben, vous ne pourrez plus passer au travers. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore comme compétence? Ah, voilà, la fameuse compétence qui a été rajoutée. Ça, c'est important. Elle n'était pas dans la première édition. C'est paroxysme. Voilà, donc c'est ça en fait qui donne un peu plus de punch aux attaques de corps à corps de la faction des aliens. Donc je vous disais, lorsque vous allez activer une figurine, vous aurez toujours ben, 2 points d'action, hein, sauf événement contraire. Donc premier point d'action, je me déplace, deuxième point d'action, je déclenche donc une attaque au corps à corps. Bon, mais imaginons qu'au tour précédent, j'ai déjà réussi à rejoindre la tuile qu'occupe le marine ici présent. Donc, si je ne me suis pas fait dégommer entre-temps, lors de ma prochaine activation, au tour suivant, je vais pouvoir disposer de mes 2 points d'action. Et c'est là que je vais pouvoir déclencher le paroxysme. Et grâce à ça, je vais pouvoir lancer toutes mes attaques de corps à corps. Alors, strength, hein, c'est la force. Bon là, ça ne va pas bien chercher loin. Hein, 0, bah, il n'y a pas de modificateur. Ni positif ni négatif. Oui, parce qu'il faut savoir qu'en fonction de la force de l'arme que vous allez utiliser, parfois votre adversaire risque d'obtenir un bonus sur son jet d'armure. Par exemple, je vous le dis d'avance, hein, c'est le cas avec les Marines coloniaux et leurs poignards. Ils ont 9 de force, ce qui va rajouter plus 1 à l'armure des Predators, qui est déjà très élevé, on va dire. Donc là, ça va devenir très compliqué pour le toucher. Mais vous avez également le rate of attack sur chaque arme, hein, que ce soit corps à corps ou à distance, et ça, en fait, c'est la fréquence d'attaque. Donc, revenons à notre cas où je déclenche mon paroxysme, bah là, en fait, comme je vais pouvoir déclencher toutes mes attaques au corps à corps lors de cette activation, en dépensant mes 2 points d'action, je vais pouvoir lancer 2 attaques avec mes griffes et une attaque avec mon dard. Voilà, donc ça fait quand même 3 attaques au corps à corps et ça peut faire très, très, très mal. Alors que si je n'avais eu qu'un seul point d'action pour attaquer, eh ben, c'était au choix, soit les griffes, soit le dard. Donc le paroxysme, c'est vraiment ce petit plus qui a été rajouté à la faction des aliens et qui n'est pas négligeable. Donc pour sinon les Predators, hein, voilà, hein, ça change un peu, on va dire, sur le plan esthétique, hein, mais ça risque toujours la même chose. Voilà. Combistique, qu'est-ce qu'il y a encore? Ah lui là, le plasma caster. Alors ça c'est une saloperie cette arme là. Alors vous voyez en compétence par exemple, bon, alors il a Hot Plasma, hein, qui est une compétence passive, et Seasoned Hunter qui est également une compétence passive.
C'est intéressant ça comme compétence. Enfin, toutes les compétences sont toujours très intéressantes en fait, hein. On va pas se mentir. Donc Seasoned Hunter, en fait, c'est toujours pareil. Lorsqu'on utilise les jetons signaux, alors je vais reprendre un Predator, là, bah, tiens, celui-là, il est très adapté pour le style. Donc ben, j'arrive en ligne de vue, hein, donc de mes adversaires. Alors, je bouge les jetons là. Bon, on va supposer qu'il n'y a pas de jetons. Ce sera beaucoup plus simple. Donc, bah, je vais débouler, et hop, la ligne de vue est établie, donc je dois révéler ma figurine. Voilà, là c'est le cas. Donc je retire le jeton, hein, signaux, et je le remplace par la figurine adéquate. Et bah, comme il a Seasoned Hunter, je vais pouvoir direct me déplacer sur une tuile adjacente dont, du moment qu'aucun ennemi, hein, de n'importe quelle faction ne dispose de ligne de vue directe. Bon, là, c'est pas le cas, parce qu'il y a eu qui sont là, mais si eux, ils n'avaient pas été là, bah, je pouvais faire un crochet à gauche ou un crochet à droite. Voilà. Ça rejoint un peu ben, l'esprit du film. Vous savez, quand les prédateurs, en fait, on croit avoir vu quelque chose, et en fait, c'était qu'une ombre qui faisait que passer. Surtout dans des couloirs aussi sombres que ce vaisseau spatial. Voilà, ça c'est donc une de ses compétences passives. Et qu'est-ce qu'il a également? Bon bah hop, supposons qu'il s'est activé, et ben voilà, ça tombe bien, il a deux aliens face à lui, il va déclencher donc son plasma caster. Donc pareil, hein, il fait un test de RG, hein, de range de skill. Le plasma caster a une force de 12, donc il va impacter le test d'armure de nos aliens s'il les touche, d'accord? Donc, et il va pouvoir lancer trois fois cette attaque, ce qui n'est pas négligeable. Donc, hop, on prend les dés, oh les jolis des Predators, et hop, il va falloir qu'il. Bon, 19, c'est un échec assuré, 7 et 15, bon, par contre, il a deux touches. Donc, on fait le calcul, hein, force de l'arme, armure. Et si jamais nos deux aliens réussissent en fait à réussir leur sauvegarde de test d'armure, et ben le hot plasma, qui est une compétence passive bien emmerdante, va les obliger à relancer leurs 2 dés de sauvegarde. Donc hop, on lance les 2 dés adéquats, 11, 13. Donc ben, le 13, puisque c'est une force de 2, ah ben je crois qu'ils se sauvent mutuellement en fait, puisqu'ils ont une armure. Ouais, de 15. Donc 13, ça passe encore. Les petits vénards. Voilà. Donc ça, c'est pour les 4 profils. Hein. On a parcouru celle des Marines, des Aliens et des Predators. Alors, concernant ben, les cartes, je reviens sur le deck de cartes environnement. Donc, hop, où est-ce que je les ai mises? Voilà, par exemple, un autre exemple de carte que l'on pourra avoir, c'est fermeture automatique des cloisons. Le joueur ayant l'initiative doit placer une porte à l'intersection de 2 tuiles non engagées. Bon, là, ça peut avantager clairement les Marines coloniaux. Hein, voilà. Et pourquoi pas les aliens d'ailleurs, hein, s'ils sont poursuivis, les pauvres. Autre type de carte que vous pouvez avoir, c'est apesanteur. Voilà. Toutes les figurines commencent leur activation avec un seul point d'action. Alors là, vous voyez, clairement, ça affecte toutes les factions. Voilà. Un malus commun. Voilà. Donc, sinon, pour les cartes stratégie, alors, il y a en fait comment ça se joue. Il faut savoir que les cartes stratégie, elles ont en fait, il y a deux moyens de les jouer. Vous avez des cartes qui sont actives et des cartes qui sont conditionnelles. Alors, lorsque vous allez jouer une carte active, alors par exemple, je regarde si, voilà, c'en est une. Go, go, go. Voilà, ça c'est une carte active de la faction des Marines. Donc, cibler une figurine marine, cette dernière peut se déplacer d'une tuile additionnelle lors d'une action, se déplacer ou courir. Donc, c'est bien parce que si ça va lui laisser un point d'action pour pouvoir faire autre chose. Donc, comme c'est une carte active, il va pouvoir, lors de son activation, annoncer qu'il joue cette carte stratégie ou à l'issue d'une action. Lorsqu'il aura effectué, par exemple, bah, il se déplace, puis il dit, ah bah tiens, hop, je joue cette carte en plus, puisque bon, moi, j'ai besoin de m'avancer davantage. Son adversaire, donc le joueur adverse, peuvent répliquer hein, lorsque le joueur qui a l'initiative annonce qu'il joue une carte qui s'active, annonce l'emploi d'une carte stratégie. Donc, par exemple, si on prend les aliens, qu'est-ce qu'on a là? Reconstitution métabolique, donc cibler n'importe quelle figurine alien. Donc, la cible bénéficie de l'aptitude spéciale esquive jusqu'à la fin du tour de jeu.
Donc l'esquive c'est simple, hein. Donc pareil, bah, là tout à l'heure si on prend le cas de notre Predator qui visait les deux aliens, donc bah, là je vais l'appliquer qu'à une seule figurine, elle va pouvoir tenter un jet d'esquive, d'accord? Bon là 12 là c'est loupé, hein, parce que pareil il faut pas se leurrer, hein, les jets d'esquive, si je dis pas de bêtises, je vérifierai, hein, j'apporterai la correction si besoin, c'est de 1 à 5 ou de 1 à 6 également. Et bon, ça peut toujours être tenté, quoi. Voilà, c'est un petit bonus hein, qui est apporté en plus, quoi. Donc voilà. Et alors, par contre, il faut savoir une chose, c'est que sur l'emploi des cartes stratégie. Alors non, juste avant de finir, donc j'ai dit qu'ils étaient actifs, mais ils pouvaient être aussi conditionnels. Alors conditionnel, et ben comme son nom l'indique, il faut qu'une condition soit remplie pour que cette carte puisse être stratégie puisse être jouée. Là, par exemple, prenons point faible. Alors, vous voyez en bas. Donc c'est sur les versions anglaises. Hein. C'est indiqué, hein. Donc rouge, hein, conditionnel. Donc cibler n'importe quelle figurine alien ou prédateur qui est sur le point de réaliser un test d'armure, la cible subit un modificateur de moins 4 à son test d'armure. Ça, c'est pas négligeable. Donc en fait, comment ça va se jouer? Ben, imaginons, nous avons donc un alien hop, qui tombe en pleine ligne de vue hein, d'un Marines colonial. Il s'active, hein, c'est son tour de jouer, et il annonce qu'il va jouer une carte stratégie. Donc, il va hop, poser cette carte-là. Donc s'il touche, c'est clair que l'autre se prend un malus sur son test d'armure. Et lui, en réponse, effectivement, eh ben, comme il a annoncé qu'il jouait une carte stratégie, l'adversaire, en réponse, peut annoncer qu'à son tour, il va jouer donc, une carte stratégie à son tour. Voilà. Et là, il va faire une reconstitution métabolique. Okay? Il faut savoir que dans la foulée, le joueur Aliens, Marines plutôt, peut, s'il a la carte adéquate, jouer une seconde carte dans la foulée, puisque vous êtes limité à l'utilisation de deux cartes par tour de jeu. Et pareil, l'adversaire peut répondre encore s'il a une carte adéquate à jouer en posant une seconde carte stratégie. Pour augmenter ses chances de survie hein, dans ce cas précis, ce cas présent. Voilà. En revanche, si j'avais annoncé l'emploi d'une carte stratégie et que mon adversaire ne répond pas, il dit bah non, moi j'en joue pas, et que j'abats une seconde carte stratégie hein, pour augmenter les bonus de ma figurine, de mon Marines, dans le cas présent, et ben là, comme lui, il a passé la première opportunité d'en jouer une, il ne pourra pas en jouer une seconde à ce moment-là précis. C'est fini pour lui. Il fallait qu'il les suive. Donc lui, il aura joué deux cartes et lui, aucune en fait au final, quoi. Donc voilà. Par contre, l'inverse, il pouvait très bien le faire, hein. Jouer une première carte. Et puis lorsque l'autre annonce qu'il joue une seconde carte, bah, il dit, bah non, moi je peux pas, ça ne m'intéresse pas, quoi. Voilà. Ok, très bien. Donc cette fois-ci, ce que nous allons voir plus en détail, c'est ben, le déroulement d'un tour de jeu complet. Donc comment on procède, comment on détermine l'initiative, qui agit, etc., etc. Et on verra également les différents types d'actions que les figurines peuvent réaliser. Alors pour le premier tour de jeu, donc chaque joueur va lancer un dé pour déterminer qui va prendre l'initiative. Hop. Pour le premier tour de jeu. Alors, hein, je répète, hein, je prends des super dés esthétiques pour chaque faction, bleu pour les coloniaux, vert pour les aliens et jaune pour les prédateurs. Donc, celui qui obtiendra le plus haut score aura l'initiative sur ce tour. Alors, ce ne sera pas les marines, ce ne sera pas les aliens. Ah bah, il y a égalité entre les prédateurs et les aliens. Donc, 2-3, on relance. Donc, pour l'instant, le marine, ça 6. Donc, 18 pour le prédateur, 17 pour les aliens et 6 pour les marines coloniaux. Donc, concrètement, ce sont en fait hop, donc les prédateurs qui agissent en premier, suivi du joueur des aliens et le joueur qui contrôle les marines coloniaux en dernier. À partir de là, celui qui a l'initiative, donc là le joueur prédateur, va piocher une carte au hasard environnementale et appliquer ses effets immédiats pour le restant du tour. Donc là, comme tout à l'heure, armes rayées. Donc avant de réaliser un test d'attaque à distance, on lance un des deux 20 sur un résultat allant de 1 à 5, l'action est perdue. Donc ça, c'est surtout ce qui va concerner la faction des Marines coloniaux et la faction des Predators. Voilà. Tac. Alors, on s'avance un peu, on déplace parce qu'il y a du monde, c'est plus joli quand il y a du monde. Voilà. Donc une fois que c'est fait, qu'on a pioché la carte d'environnement, chaque joueur va piocher donc ses cartes de stratégie dans son deck respectif jusqu'à avoir une main de 5 cartes. Et on va retirer tous les jetons d'activation si un tour a été joué au tour précédent. Alors,
Une fois que tout ça c'est fait, donc qu'on a déterminé l'initiative, donc là on va passer à la phase d'activation proprement dite. Donc le joueur qui a l'initiative, là c'est le joueur Predator, donc hop, déplaçons-nous, prenons celui-ci en exemple. Voilà, il va donc choisir d'activer cette figurine. Alors il faut savoir que si une figurine a été activée en dernier au tour précédent, ben, si ça a été son cas, voilà, on aurait mis un jeton d'activation hein, pour s'en rappeler. Ça, c'est un pense-bête pour nous. Voilà. Et ben, il ne pourra pas commencer son activation en premier. Il faudra choisir une autre figurine de la même faction. Donc, bon, imaginons que là, c'est pas son cas. Il va pouvoir s'activer. Alors, il faut savoir que lorsque vous activez une figurine, vous devez au moins dépenser un point d'action. Vous ne pouvez pas dire, ah ben non, moi, je dépense rien du tout. Donc ça tombe bien puisque dans les actions simples que l'on peut réaliser, puisqu'il y a deux types d'actions dans ce jeu, les actions simples et les actions étendues, dans les actions simples, il y a passer l'action. Vous pouvez également vous déplacer, donc je rappelle, hein, dans ce jeu, les figurines ne se déplacent pas très rapidement, d'une tuile, voire deux tuiles si vous décidez de courir. Mais là, bon, on va revenir puisque ça coûte deux actions. Donc pour une point d'action, un déplacement simple, vous pouvez également tirer. Voilà, si vous avez une ligne de vue, alors pour tracer une ligne de vue, hein, c'est du centre d'une tuile au centre d'une autre tuile, d'accord? La position exacte de la figurine n'a aucune incidence. Par exemple, si vous étiez juste posé là, il y a un angle, maintenant tu ne me vois pas très bien, non, on s'en fout. Voilà, c'est de centre à centre. Voilà. Donc là, il y a une ligne de vue. Vous pouvez également initier, si vous le pouvez, ben, pour un point d'action, du close combat, un corps à corps, je déplace un petit caméra, ouais, il y a de l'action par là. Voilà. Et vous pouvez interagir. Alors qu'est-ce qu'on entend pour interagir? Eh ben, revenons à notre Predator. Il est sur une tuile, face à lui, il y a une porte. Et ben, il va dépenser un point d'action pour ouvrir une porte. Alors une fois que la porte est ouverte, dans ce jeu, elle est retirée définitivement. Il n'y a pas de dépenser un autre point pour refermer la porte. Hein, c'est très, très intéressant, je sais. Ah coucou, ah mince, bouffe, je referme. Non, ça marche pas. Une fois que la porte est retirée, ben, elle est retirée définitivement. Alors, pour un point d'action, alors c'est la faction des Marines Colonium qui ont le plus d'aptitude, on va dire, hein, pour interagir, quoi. Alors attention, quand vous dépensez un point d'interaction, s'il n'y a pas que ouvrir une porte, hein, ça peut être aussi transporter un objet, tout dépend des objectifs de mission que vous avez. Parce que dans ce jeu, donc pour remporter une mission, il faut remplir les objectifs. Même si vous finissez sur vos jambes sans vos deux bras, du moment que vous avez rempli vos objectifs, c'est vous qui remportez la partie. Donc, les scénarios, vous vous proposez pour des points d'interaction de réaliser certaines actions. Alors, la faction des Marines Coloniaux, donc prenons lui, hein, il est armé de son M41A1 Pulse Rifle, il va pouvoir dépenser un point d'action, par exemple, s'il le souhaite, pour viser. Voilà. Ah, et puis viser, je rappelle, hein, il faut une ligne de vue. Bon, là, c'est le cas, il a une belle ligne de vue sur plein de cibles potentielles. Donc, viser va lui rajouter plus 4 à son test de RS. Mais ce bonus de plus 4 ne sera valable que sur son premier tir. Alors, bon, le Pulse Rifle n'a qu'une fréquence d'attaque, un ROA de 1. Donc, là, ça ne concerne pas. Mais par contre, si c'était le Gunrunner, le Smart Gunner, pardon, le Smart Gunner, lui a un ROA de 3. Donc, le plus 4 ne va s'appliquer sur son premier tir et pas sur les deux suivants. Voilà. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre encore? Ben, ils peuvent déclencher le Burning Inferno. Donc là, c'est notre lance-flamme de service, hein, qui a une portée de 1 à 2 tuiles. Il peut également utiliser le Point Blank Shock ou le Shotgun. Alors, la règle existe, mais la figurine, pour l'instant, moi, j'en ai vu aucune. Hein. Elle n'est pas en vente, même sur le site Prodos Games, il n'y en a pas. La règle existe pour les fusils à pompe, mais pour l'instant, dans la boîte de base, vous n'avez aucune figurine fournie avec un fusil à pompe. Mais sachez qu'elles existent. Alors, qu'est-ce que vous avez également? Eh ben, vous avez pour un point d'action le jet d'acide. Alors bon, là, je rappelle hein, que les aliens qui sont fournis dans cette boîte de base n'ont pas cette compétence. Ce sont les aliens Warriors qui peuvent lancer des jets d'acide. Vous pouvez vous dissimuler. Alors pour ce faire, il faudra que vous vous trouviez sur une tuile infestée comme celle-ci. Et celle-là va vous octroyer donc la capacité, à du moment que vous ne soyez pas engagé évidemment, de vous cacher. Alors lorsque vous allez vous cacher, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, vous allez mettre ce jeton hide pour le signifier à vos adversaires et pour vous-même également. Et donc à partir de là,
Lorsque vous allez être pris pour cible par un tir RS, votre adversaire aura un malus de moins 10, ce qui n'est pas négligeable. Alors, il faut savoir que même sans étant en mode hide, un Marines ou un prédateur qui vise un alien sur une file infestée aura un malus sur son RS de moins 4, déjà à la base. Mais là, vous allez passer à moins 10, c'est plus compliqué. Alors, en début, hein, les premières missions, il y a très peu de tuiles infestées, mais au fur et à mesure que vous allez jouer les missions, il y aura de plus en plus de tuiles qui le seront. Donc, ça va favoriser effectivement les aliens. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre encore? C'est forcer une porte. Donc, et pour forcer une porte, puisque les aliens ne sont pas équipés naturellement pour ouvrir les portes avec leurs petites papattes, ils vont la défoncer. Alors pour cela, ça va vous coûter un point d'action. Et là, ce qui est intéressant, c'est que chaque figurine alliée qui se trouve sur une tuile, la même tuile que vous, ou sur une tuile adjacente, même si elle est engagée par un ennemi, va pouvoir vous assister dans cet effort. Donc, pour savoir si vous réussissez à défoncer la porte, il faut faire un jet de dés de 20. Et on va prendre en compte la taille de votre socle. Alors, c'est pas compliqué, hein, des socles de 30 mm dans ce jeu sont considérés comme étant petits. Donc, on va lancer un dé de 20. Donc, lorsque vous êtes tout seul, il faut obtenir de 1 à 5. Par contre, dès que vous allez avoir des alliés pour vous soutenir dans votre tâche, vous allez rajouter plus 1 par figurine présente sur votre tuile ou adjacente, même si elles ont déjà été activées, hein, elles contribuent à l'effort de guerre, on va dire. Donc là, bah, par exemple, si je regarde, ça fait plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5. Donc de là, au lieu de réaliser 1 à 5, il va falloir que je réalise 1 à 10. Voilà, bah, 1 c'est une réussite critique, hein, la porte vole en éclats. Donc là, pareil, une fois que la porte est retirée, on ne peut pas la remettre. Okay, donc tout ça pour un point d'action. Ensuite, donc chaque faction va pouvoir dépenser 2 points d'action. Alors la plupart du temps, ça sera pour courir. 2 points d'action vous permet de vous déplacer de 2 tuiles. 1, 2, voilà. Vous pouvez également vous mettre en mode sentinelle. Alors le mode sentinelle est très intéressant, effectivement, quand vous voulez un peu, on va dire, tempérer les choses et voir venir l'adversaire. C'est que, par exemple, si on avait un prédateur qui est ici, donc hop, à ce niveau-là, d'accord, vous savez qu'il risque d'arriver par là et de déclencher un tir à distance, puisque dans ce jeu, les portées des armes à feu, la plupart du temps, sont illimitées du moment que vous pouvez établir une ligne de vue. Le fait, là, d'être en mode sentinelle va vous permettre de réaliser, donc, 3 actions au choix. Donc, soit, bah, hop, il surgit, donc, au moment de son activation. Vous, précédemment, vous étiez passé en mode sentinelle en sacrifiant vos 2 points d'action. Et bien là, vous allez pouvoir effectuer un mouvement et vous mettre hors de portée et donc à l'abri. Ou vous pouvez réagir également dans d'autres situations, déclencher donc une attaque, hein, contre lui avant qu'il ait pu agir, ou engager un corps à corps. C'est 3 actions possibles lorsque vous êtes en mode sentinelle. Donc tout ça est commun aux Predators, aux Aliens et aux Marines coloniaux. En revanche, concernant toujours la dépense de 2 points d'action, donc pour là réaliser des actions qu'ils appellent dites étendues plus complexes, vous allez pouvoir avec les Marines coloniaux utiliser le Grenade Launcher, donc 2 points d'action, et au lieu d'infliger une blessure, vous allez pouvoir, si vous touchez votre cible, lui en infliger 2. Il y a également le Rapid Fire. Alors le Rapid Fire, vous allez en fait sacrifier la qualité au détriment de la quantité. Donc je rappelle que sur un Pulse Rifle, le ROA est de 1, d'accord? Je rapproche un peu ma caméra ici, voilà. Il est de 1 et donc là en fait vous allez passer à 2. Mais en contrepartie, votre RS va être diminué de 4. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous pouvez aussi sceller des portes. Ça c'est propre aux Marines. Donc si vous commencez à sentir le roussi, vous allez être submergé rapidement pour retarder la progression de vos adversaires. Donc il faut que la tuile sur laquelle vous vous trouviez ne soit pas engagée évidemment. Vous allez dépenser vos 2 points d'action et faire un test de CC, de close combat. Et si vous réussissez, une porte se met en place. Si vous échouez, bah, vous avez perdu vos 2 points d'action et vous vous retrouvez nu comme un verre. Vous pouvez faire 3 fois cette opération au cours d'une partie, pas plus. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre également que vous pouvez faire? Vous pouvez faire un mouvement tactique. Ça, j'ai vu très peu de joueurs dans mon groupe pensent à le jouer pour l'instant. Alors un mouvement tactique, c'est-à-dire pour 2 points d'action, j'active ma figurine, on va dire ceci, et je vais mettre un jeton sentinelle au niveau de son socle, d'accord? Et hop, je vais faire un déplacement, et à l'issue de ces déplacements, je pourrais faire donc une action autorisée par le mode sentinelle, soit engager un corps à corps, soit déclencher un tir, ou soit encore refaire un déplacement. Alors vous allez me dire, il est où l'intérêt? Eh bien l'intérêt se trouve dans le fait que, par exemple, imaginons qu'on a un prédateur qui est ici, qui lui s'est déjà mis précédemment, lorsqu'il s'est activé en mode sentinelle. Donc il attend le moment opportun
où une de vos figurines va montrer le bout de son nez pour déclencher une attaque vicieuse. Et bien là, ce qui va se passer, puisque vous êtes passé en mode sentinelle, hein, donc je veux dire, vous réalisez votre mouvement tactique, vous allez vous déplacer et donc vous allez pouvoir agir avant lui. Pourtant, il est en mode sentinelle, mais votre mode sentinelle prévaut sur le sien. Ça, c'est l'avantage d'un mouvement tactique. Autre action enfin que vous pouvez réaliser avec une figurine de Marines Colonial, c'est lorsque vous vous situez au niveau d'un conduit de ventilation. Alors les conduits de ventilation peuvent être traversés par les figurines de petits socs comme les Marines Coloniaux ou les Aliens. Mais en aucun cas, vous pouvez vous arrêter au centre d'une tuile. Seuls les Facehuggers, qui font partie des extensions achetées, peuvent s'arrêter au milieu. Mais par contre, ben, vous devrez dépenser vos deux points d'action. Vous n'aurez pas le choix. Hein. Un, deux, pour pouvoir traverser. Vu la taille des socles des Predators, qui est de 40 mm, hein, qui comptent, eux comptent deux points d'occupation. Parce que je rappelle que les tuiles, hein, ont des points d'occupation. Les tuiles normales comme ceci ont 8 points d'occupation, les grandes salles 12 et les petits cul-de-sac 4 points d'occupation. Et donc elles ont toutes un maximum de points d'occupation. 8, c'est-à-dire que là, ben, avec le Predator et le Marines Coloniaux, on est déjà à 3 points d'occupation. Donc une fois que c'est complet, voilà, il va y avoir des conséquences, que ce soit dans les engagements et que ce soit dans la mobilité. Donc de toute façon, quoi qu'il en soit, un Predator, pour revenir à notre conduit de ventilation, ne pourra jamais être autorisé à le traverser puisque son socle est trop important. C'est un socle considéré comme moyen. Alors, je reviens à mon Marines Colonial qui est adjacent sur une tuile non engagée, et ça c'est important. Il va pouvoir dépenser ses deux points d'action justement pour virer ce conduit de ventilation. S'il y avait un Facehugger qui se trouvait positionné au centre à ce moment-là, il est perdu comme perte. Hein. Voilà, il est retiré de la partie. Alors, pourquoi faire ça? Puisque ben, souvent, les aliens vont jouer sur leur nombre. Hein. Et vont essayer de comme dans les films, hein, de se déplacer le plus rapidement possible via les conduits de ventilation pour essayer de vous toper et d'empêcher que vous atteigniez vos propres objectifs de mission. Voilà. Enfin, les prédateurs, eux, donc pour deux points d'action, ils vont pouvoir utiliser un traitement de soins, d'accord? Alors, ils peuvent le faire une seule fois par partie, par figurine. Donc, c'est simple. Il s'active, il dépense ses deux points d'action et ben, au tour précédent ou lors d'un tour précédent, il a subi une blessure. Il décide de se soigner. Donc, il va jeter son dé de 20 et il faut qu'il obtienne de 1 à 10. 2, il réussit, il retire sa blessure. Alors, c'est vrai que ça peut paraître assez effrayant comme ça, mais je rappelle que les Predators qui sont joués ne sont que deux. Voilà. Donc, c'est vrai qu'ils ont un armement conséquent, qu'ils sont plutôt résistants, ils ont des points de blessure et en plus, ils peuvent se soigner. Mais je peux vous garantir que depuis qu'il y a eu le rééquilibrage des forces, pour l'instant, j'ai vu les Marines gagner, j'ai vu les Aliens gagner, mais j'ai pas vu les Predators le remporter. Hein. Donc voilà, ça c'est pour les Predators. Pour les Aliens, pour deux points d'action, vous allez pouvoir réaliser donc ce qu'on appelle le Skulking Advance. Alors là, c'est quand vous êtes en mode hide sur une tuile infestée. Donc voilà, tac tac. Alors quand vous êtes en mode hide, hein, j'ai oublié de préciser, vous remplacez votre figurine par un jeton. Signal et vous mettez ce petit jeton pour indiquer son statut. Dès que vous allez être pris pour cible, vous perdez vous êtes obligé de vous révéler, hein, d'accord? Vous perdez votre hop, vous êtes obligé de vous remettre en figurine normale. Mais vous inquiétez pas, hein, sur le premier tir, de toute façon, le RS il s'applique, hein, de moins 10, le malus. Donc voilà. Et donc pour pouvoir conserver ce statut, bon, il faut que vous soyez sur une tuile infestée, évidemment. Et soit pour conserver ce statut hide, soit vous passez votre action, ou soit eh ben, vous utilisez le Skulking Advance. Et le Skulking Advance, effectivement, va vous permettre de tac-tac, vous déplacer tranquillement. Voilà. Ok, donc revenons maintenant sur nos Marines coloniaux. Je reviens sur cette histoire de tuiles, parce que bon, puisqu'on y est, hein, on voyait l'avantage que certaines tuiles pouvaient procurer aux aliens. Il en va de même pour les Marines coloniaux avec les tuiles dites normales, donc non infestées. Hein, donc, alors au début de les premières missions, il y a beaucoup de tuiles normales, donc qui avantagent énormément les Marines coloniaux, mais au fur et à mesure que vous allez avancer dans les missions, dans le mode campagne, il y aura de plus en plus de tuiles infestées, donc la tendance va s'inverser. Quoi qu'il en soit, donc les Marines coloniaux s'y sont pris pour cible par une attaque RS, donc ben, imaginons que le Predator qui se trouve là, c'est son activation et lance une attaque à distance.
Le Predator va subir un malus sur son tir RS, son test de RS de moins 2, puisque les Marines sont sur ce genre de tuiles. Et donc on considère que par leur formation militaire, ils sont habitués, entraînés à tirer avantage donc de l'environnement qui leur est propre, quoi. Voilà. De même, la même chose, si par exemple un alien venait engager au corps à corps donc des Marines, toujours sur une tuile dite normale, ce dernier subira un malus de moins 2 à son test, cette fois-ci de CC. Voilà. Alors, je reviens également sur le conduit de ventilation, puisque bon, en fait, hein, j'essaye de vous apporter un maximum d'informations. Après, bon, c'est cool, puisqu'à la maison, vous pouvez regarder tranquillement les vidéos, faire des pauses, des replays, ce que vous voulez. Je vous ai indiqué tout à l'heure qu'effectivement, on ne pouvait pas tracer de ligne de vue au travers d'un conduit de ventilation. En revanche, vous pourrez prendre pour cible ce qui s'y trouve. Alors, dans la boîte de base qui vous est fournie, aucune figurine hein, ne peut s'arrêter. On en a parlé, ça concerne uniquement les faisceaux-guerres qui font partie des extensions. Donc, un faisceau-guerre qui se positionnerait sur ce conduit de ventilation, donc qui s'arrête là, pourrait être pris pour cible. Alors, non pas par les armes classiques hein, de tir. Mais pour les Marines coloniaux, par celui qui dispose de la compétence Burning Inferno grâce à son lance-flammes, ou à l'aide de la carte stratégie Grenade, qui sera en fait lancée dans le conduit qui explosera, etc. La seule figurine autre que les Marines autorisées à utiliser justement une attaque dans le conduit de ventilation, c'est le Predator équipé du Smart Disc. Donc il le jette. Et il revient, parce qu'il y a un effet boomerang, le Smart Disc est équipé d'un système hautement performant gyroscopique. Et donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, alors quand vous êtes en mode de combat, donc reprenant notre alien donc belliqueux, qui s'en prend au corps à corps donc à un des Marines qui se trouve sur la tuile, donc la tuile se retrouve engagée. À partir de là, lorsque vous allez activer votre Marines, donc c'est son tour de jouer, voilà, de s'activer, il a 2 points, je rappelle. S'il décide de faire un tir, il va subir un malus conséquent. C'est-à-dire que sur son tir, ça sera un RS de moins 10, sur son test RS, parce qu'il est engagé au corps à corps. Il est sur une tuile dite engagée. Je rappelle, hein, pour être engagé, c'est il faut au moins 2 figurines de faction opposées sur la même tuile, ou vous retrouvez adjacent à une tuile qui est pleinement occupée, donc avec le système de points d'occupation qu'on a évoqué juste avant. Donc là, moins 10 sur son test de RS. Alors, en revanche, prenons un autre cas, je déplace le drone spatial. Voilà. Prenons un autre cas. Imaginons qu'on a un autre petit camarade hein, qui se trouve pris à partie, d'accord, donc par un alien. Et manque de peau, ben, votre collègue, il a du mal à se dépatouiller, à se sortir de cette situation. Et avant que ça vire au drame, donc vous activez ce Marines et vous annoncez un tir RS pour essayer de lui sauver les miches. Et ben là, vous allez subir un malus de moins 2 à votre test RS parce que vous tirez sur une tuile qui est engagée. Et si jamais, alors imaginons, alors là, on pousse vraiment l'exemple et la situation, on empire la situation. Imaginons en fait que notre médic se retrouve beaucoup plus loin. Voilà. Bon, ça change rien, c'est toujours moins 2 au test terrestre pour notre tireur qui est là. Mais si en plus il y a hop une autre tuile engagée, alors là, bah, disons qu'il y a un prédateur qui est pris à partie avec un alien, voilà, un xénomorphe. Donc, et ben là, vous allez également appliquer un second malus moins 2 sur votre test RS. Donc moins 2 et moins 2, donc un total de moins 4 sur votre tir, compétence de tir. Voilà ce qu'on peut dire effectivement sur tous les combats. Alors, je reprends un exemple concret hein, de combat. Donc, hop, tir à distance. Donc là, on va juste prendre le Pulse Rifle. Il a un ROA, une fréquence d'attaque de 1. Donc hop, on prend le drone, donc un Infant Warrior qui fera très bien l'office et les dés adaptés. Donc j'ai dit une bêtise hein, durant une de mes vidéos là, hein, vous verrez, enfin vous vous rappellerez. En fait, c'est une armure de 13 qu'ils ont et non de 15.
Voilà, comme les Marines en fait. Les Marines ont également une armure de 13. Donc notre Marines coloniale a un RS de 14, d'accord? Donc pour pouvoir toucher avec son test RS, il va devoir faire 1 à 14, 1 étant une réussite critique. Et 1, ça veut dire que s'il fait un 1, l'autre en face ne pourra même pas faire de jet d'armure. Donc je jette, je fais un 2, bah on n'était pas loin, c'est pas mal du tout. Donc là, avec, je touche ma cible. Donc on va appliquer la force de l'arme utilisée. Hop, donc que je dise pas de bêtises, elle est de 12, donc moins 2 sur l'armure. Donc son armure va passer de 13 à 11. Je jette son dé, il fait 3. Bon, bah, il a esquivé le tir, enfin il a encaissé le tir, son exosquelette a absorbé l'impact de la balle. Pas de bol. Donc voilà. S'il y avait corps à corps, tac, on se remet dans cette situation. Donc là, pareil, le Marines va donc s'activer et je rappelle, hein, vous avez deux points d'action, mais vous ne pouvez jamais faire deux fois la même action. Voilà. Donc corps à corps, test de CC. Donc là, il a 12. On jette le dé, il échoue, non, et il réussit. Je voulais vraiment qu'il meure, le mec. Et donc la force de son couteau, là par contre, est de 9. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, ça va rajouter un bonus de plus 1 au test d'armure de notre Predator. Alors le de notre alien, pardon. Donc l'alien, au lieu. Alors bah 20, c'est un échec critique. Alors c'est ce que je vous disais. Puisqu'il a fait un échec critique, là c'est clair. Bon bah voilà, c'est pas de bol pour lui. Bon bref, notre marine, ça a réussi à lui enfoncer donc un poignard profondément au niveau du sternum. Voilà quoi. Donc c'était juste un rappel hein, sur les règles de combat. Alors évidemment, c'est à ce moment-là, au moment où vous allez déclencher une attaque au corps à corps au RS, c'est à ce moment-là aussi que vous pouvez jouer vos cartes tactiques, stratégie, si vous ne l'avez pas fait. Je rappelle, hein, jusqu'à deux cartes stratégie par tour de jeu. Donc là, par exemple, je pourrais très bien battre une carte pour annoncer que j'ai un bonus sur mon tir. Disons que, hop, j'active ce personnage. Alors, on joue une carte stratégie, bon je ne l'ai pas sous la main là, mais je sais qu'elle existe, hein. Donc j'annonce que en fait mon adversaire, sur si je le touche, aura un malus sur son test d'armure de moins 4, ce qui n'est pas négligeable. Donc j'abats cette carte-là, et là je me demande à mon adversaire, enfin où il se manifeste, hein, il a le droit, il dit ben, moi aussi je joue une carte stratégie en réponse à la tienne, et moi je te donne un malus de moins 4 sur ton test RS. La carte existe également. Alors, comme j'ai deux actions, ma première action, j'annonce que je vais viser, donc je gagne un bonus de plus 4, qui annule l'effet de sa carte stratégie. Okay. Et là, si je le souhaite, je peux jouer une deuxième carte stratégie derrière. Lui, ben, soit il enchaîne, soit il ne le fait pas du tout. On reste sur notre premier exemple. Donc une seule carte stratégie chacun. Donc là, je lance mon dé, d'accord? Je n'ai plus mon malus. Bon bah c'est pas de bol, j'ai fait un test merdique. Donc là, je devais faire 14, hein, je fais 16. Si j'avais touché, donc si j'avais fait un 10 par exemple, là, lui, il devait faire son test d'armure avec son malus de moins 4. Donc là, ça devient très compliqué pour lui. Parce que ça va être cumulatif, parce qu'il a moins 4, effectivement, sur son test d'armure et en plus on va rajouter la force de l'arme et je rappelle que un Pulse Rifle c'est 2 donc 12 donc moins 2 donc il va avoir moins 6 moins 6 donc sachant que son armure est de 13 ben ça fait 8 hop 4 ah ben malgré tout il réussit son test d'armure et a sauvé sa peau donc vous voyez voilà comment les combats se déroulent donc une fois qu'on est habitué à la mécanique ça va très très vite hein. On va pas se mentir ça va ça pulse quoi j'espère que ben, cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas surtout à laisser des commentaires à mettre un pouce ou à poser des questions s'il y a des règles qui vous ont pas paru assez claires parce que c'est vrai que vraiment je suis allé au feeling hein, au fur et à mesure j'ai là, cette fois-ci, je suis vraiment pas parti sur quelque chose de très structuré, puisque ça demande énormément de boulot, de faire des plans super léchés, tout ça, etc. Bon, c'est un hobby, hein, donc voilà, il faut que ça reste un hobby, il faut que ça reste du plaisir. C'est pour ça que là, je m'étais vraiment motivé à vous faire une grosse vidéo de présentation d'un seul bloc,
Parce que si je laisse courir, le temps va passer, la motivation sera plus là, j'aurai pas forcément le matériel prêt, enfin bon, bref, etc., etc. Voilà. Donc, pour revenir à notre jeu, alors bon, vous l'aurez compris, hein, moi j'ai été convaincu, parce qu'en fait, bon, déjà j'aime bien la licence, je suis pas un gros fan, mais j'aime bien, je pense que, comme pas mal de gens, cette licence des aliens et des Predators. Bon, même s'il y a du très bon et parfois, voire même du très mauvais. Quoi qu'il en soit, ce jeu vous permet vraiment de plonger dans cet univers, on va dire, fort, hein, et donc on y retrouve quand même de bonnes sensations propres au film, que ce soit les Predators, les Aliens ou les Marines coloniaux. Alors c'est vrai que ce jeu, c'est surtout inspiré du deuxième volet de la saga des Aliens. Voilà. Donc il y a les extensions, c'est vrai que je l'ai un peu évoqué. Alors, si vous décidez juste de jouer avec le jeu en l'état, c'est pas la peine. Moi, personnellement, je pense que je vais prendre quelques extensions. Je ne prendrai pas tout, puisque j'estime que, bon, un Alien Crusher qui prend une tuile à lui tout seul, c'est impossible pour moi de concevoir ça dans un vaisseau spatial. En revanche, bon, c'est un choix personnel. En revanche, je vais certainement augmenter les forces des aliens pour varier les plaisirs. Donc, il y aura des Facehuggers, donc les Infants de Varior, les Stalkers et certainement les Warriors qui peuvent lancer des jets d'acide à distance. Je vais partir sur ces quatre modèles. Pour les Predators, j'aimerais bien repasser à trois figurines au lieu de deux. Donc, ce qui pourrait permettre d'intégrer les fameux chiens de chasse qu'ils utilisent dans le film Predators et qui font partie des extensions. Et concernant les Marines coloniaux, donc soit bah, augmenter la taille du squad. Ou alors de pouvoir leur doter des sentry guns, les fameuses mitrailleuses automatiques, et améliorer justement leurs compétences concernant la fermeture des portes, s'ils peuvent les sceller des portes déjà existantes, ou ben, comme je disais, hein, dépenser une action pour enfermer simplement une porte derrière eux. Donc des choses à exploiter, vous voyez. Donc le jeu est très bon en l'état, hein, y a pas de souci, hein. Il y a eu un souci de la part de Protoss Games de refondre les règles pour améliorer l'équilibre du jeu. Bon, l'équilibre d'un jeu est toujours fragile, mais je pense qu'il y a mal moyen d'améliorer encore le gameplay. Donc voilà, et donc d'aller encore plus loin. Mais je n'irai pas sur le, je ne m'inspirerai pas du système de règles avancées avec cette histoire de budget. On va pas se mentir, qui va surtout vous obliger à dépenser plein de pognon, puisque bon, les figurines ont un certain coût, hein, c'est pas donné. C'est une licence, hein, donc Protoss Games doit reverser des droits à la Fox, et voilà, enfin à la Fox maintenant, Disney, puisque depuis peu c'est Disney qui a racheté la licence, enfin qui a racheté la Fox, donc de facto tout le catalogue Predators Aliens tombe dans l'escarcelle de Disney. Alors on va voir, hein, maintenant tous les paris sont ouverts, peut-être que dans l'avenir, un avenir proche, ou voire bon, pas du tout, peut-être que le jeu lui-même de figurines que je vous ai présenté sera repris par la fameuse compagnie Les Oreilles de Mickey. Bref. Donc, avant que j'oublie, parce que je suis sûr, quasiment sûr, que certaines personnes vont peut-être me poser la question en me disant, oui, tu nous as montré les tuiles de la V2, mais pas les figurines de la V2, modo bloc, et avec des socles texturés. Donc, ça se présente. Hop. Comme ceci, oui, enfin bon, bref, c'est vrai que c'est pas pratique, j'aurais dû faire un autre plan, vous voyez, voilà, donc le petit socle texturé, donc là, voilà, là, il n'y a pas d'assemblage à faire, hop, vous avez, cassez-vous, dégagez, vous êtes mort, voilà, donc vous avez le prédateur, un des prédateurs, hein. Ah, c'est sympa, et enfin, les Marines coloniaux. Alors, bon, je le pose, là, vous verrez mieux, voilà, vous voyez, alors les prédateurs sont quand même balèzes, voilà. Là, ça se voit pas, hein, parce qu'au fond, vous avez les squads de Marines, hein, de la version originale. Ils sont plus petits, voilà, au niveau des proportions. Alors bon, je vous rassure, hein, c'est pas choquant sur une map, hein. Une fois que vous êtes dans le jeu, vous n'y prêtez pas attention. C'est juste, effectivement, si vous commencez à mettre une figurine à côté. Voilà. Bon, vous pouvez tricher, hein. Donc il suffirait de remettre un socle de 30 mm de diamètre, hein, pour surélever la figurine et donner l'illusion qu'ils sont de la même taille.
C'est pas choquant. Enfin, voilà. C'est juste, il est juste sur un plan esthétique. Voilà. Vous pouvez travailler, hein, je vous dis, vous rajoutez un petit sac de 30. Mais sur une table de jeu, franchement, ça passe à l'aise, quoi. Voilà. Donc, on a vraiment des postes dynamiques avec des effets de décor qui sont très sympas. Donc, voilà. Donc, d'ailleurs, ben, ils sont en train de refondre hein, leurs extensions. J'ai vu que allez, la nouvelle extension des Warriors est sortie, donc sur le même principe. Et la reine aussi. Il y a une reine. Hein, elle est balèze, elle est chère aussi, il faut le dire. Hein, voilà. Voilà. Donc, bref. Donc, voilà, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Donc, je vous dis à une prochaine vidéo et je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année. Et si au moment où vous regardez cette vidéo, vous n'êtes pas encore trop tard, bah, une bonne nouvelle année 2018. Voilà. Donc, ciao, ciao!